Donc, la boîte à nouveau, on avait été téléchargé un SVG sur le web, on l'avait ouvert dans Illustrator, on l'avait enregistré au format Adobe Illustrator, on l'avait ouvert dans Photoshop pour le transformer en pixels. C'était pas obligatoire, on aurait pu travailler sur les vecteurs, mais c'était un choix de travailler sur des pixels. On avait colorisé pour que ça ait l'air doré et on l'avait utilisé dans la version 7 ici. Voilà, et donc quand j'ouvre la version 7 dans Dimension, voilà à quoi ça ressemble. Donc nous avons la première boîte noire mat avec le fichier PSD colorisé qui était mis dessus. Ici, c'est la même chose, mais avec, quand on double-clique, la texture mise en fond. Et ici, on avait fait un test avec une normal map. Qui est là, dans la texture. Ici, c'était la normal map. Faites avec Photoshop 2023 puisque dans Photoshop 2024 ça fonctionnait plus. Là, on va tester bientôt un générateur de normal map en ligne sur le web où on upload une image et puis ça nous fait no notre normal map et on la télécharge. Ça va compenser le fait que dans Photoshop 2024 il n'y a pas le générateur de normal map sur base d'une image. Bien, donc je vais sélectionner la boîte avec la touche Alt, je vais la déplacer parce que je vais travailler sur une copie là. En double-cliquant sur la boîte, je vais aller enlever la normale. Donc je clique sur la normale et corbeille. Voilà. Par rapport à la première, pour qu'on voit bien le relief, donc la première, elle est vraiment mate, celle-ci, on avait été augmenté, là, on avait été modifié la rugosité, certainement. Rugosité 32% pour celle-ci, non, je vais redouble-cliquer. Rugosité 32%, oui. Pourtant, c'est la matière mate, hein, mais en modifiant le canal rugosité, elle est moins mate. Alors que la première, 100% de rugosité, c'est ça. Oui. Donc ça explique. Bon, le fichier ici, vous pouvez l'enregistrer. Ça va être la version 8. Et donc, on a vu qu'il est difficile de positionner exactement comme on veut l'élément comme ça et sa normal map. Techniquement, il y a des limitations. Ça, c'est donc l'image qui a été juste glissée sur l'objet décalcomanie. Et oui, c'est ça. Et donc, voilà comment il faut procéder. Vous avez votre objet sélectionné. Vous allez demander menu objet générer des UV. Voilà, ça a travaillé. Vous n'avez rien vu. On ne voit pas quelque chose qui indique que les UV ont été générés, mais vous l'avez fait. Et une fois qu'elles ont été générées, vous allez dans menu objet exporter les UV. Voilà. Alors la précision des UV. Oui, on peut augmenter si on veut. Allez, 4096, 4096, ce sera bien. Et pour que ce soit exploitable sur tout ordinateur, je ne monte pas jusqu'à du 8000 sur 8000. Soyons, voilà, prudents. On clique sur l'hyperlien ici pour indiquer où on va enregistrer. Donc voilà, vous devez indiquer le bon dossier. Et vous cliquez sur exporter.